et le magicien. Qu'est-ce que tu fais, papy? Je suis en train de planter des fleurs, Zou. C'est quoi comme fleurs? Celles-ci sont des gardenias. Elles sont belles, hein? Maman a dit oui. Je peux rester jouer avec toi toute la journée. Super, Elsie. À quoi on pourrait jouer? Je sais, si on jouait au valeureux chevalier qui délivre une princesse emprisonnée dans un château. Oui, d'accord, mais cette fois, c'est toi qui fais la princesse. Moi, une princesse? Tu trouves que j'ai l'air d'une princesse? Non, pas du tout. Mais j'ai envie d'être le chevalier cette fois. Eh bien, les enfants, pourquoi ne seriez-vous pas tous les deux chevaliers? Oui, bonne idée, papy! Ah oui! Très bien, je crois même que j'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous de vrais chevaliers. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oui! Génial! Il est là, Elsie. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu revenais tout de suite. Désolé, les enfants. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce que je suis venu chercher. Oh! Tiens, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Abracadabra! Oh! Mais papy, où est-ce que tu les as trouvés? Ah, ça! Voyez-vous, les enfants, il se trouve que je suis un magicien qui a de grands pouvoirs. Oh oui! Tu as fait apparaître nos casques de chevaliers! Parfaitement! Voilà deux casques pour deux valeureux chevaliers. Waouh! Ils nous vont super bien! Waouh! Avec ces casques, on sera les plus grands chevaliers du monde! Oui, mais qui on va sauver alors? C'est vrai, tu as raison. On n'a plus de princesse maintenant. Je pense que je connais quelqu'un qui a grand besoin d'être sauvé. Il me semble bien qu'une reine des fées est retenue prisonnière dans ce château enchanté. Une reine des fées? Dans la maison? Je veux dire, dans le château? Oui! Ça me revient. C'est la reine à la cape dorée. Libérer une reine? Waouh! Ça, c'est une mission parfaite pour des chevaliers comme nous. Mais pourquoi la reine à la cape dorée est emprisonnée? Eh bien, c'est parce qu'elle est la meilleure cuisinière du royaume et qu'une méchante sorcière veut lui voler ses recettes. Mais hélas, malgré tous mes pouvoirs magiques, je n'arriverai jamais tout seul à sauver cette reine des griffes de la sorcière. Brave chevalier, acceptez-vous de m'aider à la libérer? Oui! Mais n'imaginez pas que votre quête sera facile, parce que... pour entrer dans le château, il faut d'abord échapper au féroce, au redoutable crocodile. Croc, 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 croc. Ne marchez pas sur l'herbe, valeureux chevalier, ou le crocodile vous attrapera. Croc, 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 croc. Attention, baby, le crocodile est derrière toi! Oh là là, il est vraiment féroce, ce crocodile! Zou, au secours! Je suis tombée dans l'eau! Croc, croc, croc! Croc, 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 croc! Ouf! Il a bien failli nous gober tout cru. Regardez, l'entrée du château est gardée par un terrible dragon. Il est endormi. Il faudrait qu'on arrive à entrer sans le réveiller. Oups! Oh non! Le dragon s'est réveillé! Il va cracher du feu sur nous! Il a l'air affamé! Il va nous dévorer! J'ai quelque chose qui pourrait nous aider. C'est quoi? De la nourriture pour dragon. Puissant dragon, tu veux bien nous laisser passer pour qu'on puisse entrer dans le château? Tu t'es fait un ami, Zou. Il va peut-être nous aider à trouver la reine. Bonne idée, papy. Dragon, peux-tu nous aider à trouver la reine des fées? Encore un petit effort.
est bientôt arrivé à la chambre où est emprisonnée la reine. Mais il n'y a personne ici. Regardez, une cape dorée. Tu crois que ça peut être la sienne? Je pense que c'est ça, oui. Où peut-elle bien être? Papy magicien, tu n'as pas dit qu'elle était bonne cuisinière? Mais oui, c'est ça. Elle est sûrement dans la cuisine. Tu as sans doute raison. Direction la cuisine, les enfants. Hop. Pardon, mes braves chevaliers. Oh, je crois que c'est la sorcière. Vite, cachons-nous, ou elle va nous changer en statue avec sa baguette magique. La cape magique va vous cacher, venez. Mais qu'est-ce que... Chut. Ouf, vous l'avez échappé, belle chevalier. Si la reine est emprisonnée dans la cuisine du château, on va avoir du mal à la délivrer, je le crains. La porte est fermée. Il faut chercher les clés. Allez les chercher. Pendant ce temps, je ferai le guet. C'est trop haut. Mais comment faire? Eh oui! Notre dragon va pouvoir nous aider. Allez! Vas-y, dragon! Oui, c'est bien! Bravo, dragon! Maintenant, on délivre la reine. Mais soyez prudents. La cuisine est défendue par un des gardes de la sorcière. Oh. Regardez, elle tient une lance magique. C'est ce que je disais. Elle surveille la reine pour l'empêcher de fuir. Mais on ne pourra jamais passer. Sauf si on réussit à désactiver sa lance magique. Espérons que mes pouvoirs magiques seront assez puissants. Abracadabra! Oh? Ça y est, la porte est ouverte. Bravo! Maintenant, vous deux, allez libérer la reine, je vous attendrai dehors. Mais où sont-elles passées? Elles étaient pourtant bien rangées là. On l'a trouvé. Oui. Oh, mais les voilà mes passoires. Et dire que je les ai cherchées partout. On est venu vous délivrer, votre majesté. Me délivrer? Oui, venez avec nous. Le magicien nous attend dehors. Le magicien? Zou, Elsie. Mais enfin, de quoi parlez-vous? On a échappé à un redoutable crocodile et à un dragon affamé. Et on a failli être transformé en statue de pierre par une vilaine sorcière. Oh là là, quelle histoire! Mais je n'ai pas le temps de jouer avec vous. J'ai le déjeuner à préparer. Mais, votre majesté, le garde de la sorcière va revenir avec sa terrible lance magique. Il faut partir d'ici. Dépêchons-nous. Le magicien vous attend. Oh, dans ce cas, je vous suis. Voici votre cape dorée, votre majesté. Mais où m'emmenez-vous comme ça? Le déjeuner ne sera jamais prêt à temps. Pas besoin de préparer le déjeuner. Aujourd'hui, je vous emmène au restaurant. Pardon, à un banquet. Un banquet? Oui, et je pense que nous ferions bien d'emmener nos deux chevaliers avec nous pour nous servir d'escorte. Oui! Votre carrosse n'attend que vous, votre majesté. Il est génial ce jeu, hein, Zou? Oui, c'est comme...
comme ça quand on a un papy magicien. Zou et les extraterrestres. Ah, oh, c'était notre dernier film sur les extraterrestres. Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois? Oh, oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super! En attendant qu'ils passent nous voir... Tu viens, Elsie, on va jouer. D'accord, amusez-vous bien, les enfants. Attrape. Oui, c'est là, tu la rattraperas pas. Je t'ai eu. Oh. Oh, waouh. Tu as vu ça? Oui. Les extraterrestres. Je vais chercher papy. Dehors. Tu en es sûre, Zou? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non, ça ne ressemblait pas à un avion. Allez, viens, papy. Il est parti par là. Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants? Maman. On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans. Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher. Tout de suite, j'ai envie d'être amie avec eux. Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau. Maman, je peux aller chercher les extraterrestres. Bien sûr, Elsie, tant que tu restes avec papy. Merci, maman. Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres. J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie. Ils viennent de très très loin. Ils doivent être affamés, les pauvres. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre? Je suis sûre que tu pourrais dire, voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou, bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence, comme ça. Parfait, bravo. N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super. Allez, Elsie, il faut aller chercher papy. Papy, on a les casse-croûtes. Tiens, Zou, ton kit de découvreur d'extraterrestres. De découvreur d'extraterrestres? Tu as un appareil photo et puis une caméra, des jumelles, une loupe et un carnet et un stylo. Merci, papy. Allez, Elsie, on va chercher les extraterrestres. Oui. Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout. Il faut qu'on ait une stratégie. Elsie, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Ah, bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi, allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur. Hein? C'était quoi, ça? Hein, par là, Zou, je viens de voir bouger les buissons. Waouh, si ça se trouve, c'est eux. Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre. Hein? Oh.
Peut-être qu'il flotte au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs. Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu moi aussi. Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici alors. Chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. Oui. S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non, j'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite. Oh, Elsée, la caméra a été allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'air de jeu. Regardez par ici! Ce truc argenté, ça bouge! C'est un extraterrestre! C'est quand même petit pour un extraterrestre! C'est Pog qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale! Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestre, hein? C'était quoi? Cachons-nous! Bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, oh, c'est là que Pog a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zo. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve. Et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshhh comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshhh. Il doit y avoir une fuite et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors, il n'y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà! Là-bas! Mon ballon! Mon ballon! Oh, hein? Après mon ballon! On te tient, oncle Xavier! À l'aide! Oui! Oula! Oula! Merci beaucoup, tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballons. Super! Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zou de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda. Zinnia. Oh. On cherche des adhérents au club spatial des zèbres. Vous voulez vous inscrire? Oh oui. Moi aussi. Moi aussi. Ah.
Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace. J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt. Tic-toc. Allez, Buck. Viens, on va voir Elsie. Bonjour, Zou. Bonjour, Elsie. J'ai un nouveau jeu, un mini ping-pong. Oh. Tu viens jouer avec moi? Il faut que je demande à maman. On peint en vert mon étagère. Allons-y. Dis oui, s'il te plaît, maman. Bien sûr, tu peux aller jouer avec Zou. Oui. Super, allons-y. Dès que nous aurons fini de peindre ton étagère, bien entendu. Ne faites pas cette tête, on aura fini dans une heure. Ce n'est pas long, une heure. Je suppose que non. Désolée, Zou. Oh. Il est exactement 3 heures de l'après-midi sur votre station préférée, Radio Z. C'est le moment de retrouver Ziggy pour le Flash Info. Zou, hein, tu ne joues donc pas au mini ping-pong avec Elsie? Il faut que j'attende une heure qu'Elsie ait fini de peindre son étagère. C'est long comment, une heure exactement? Une heure exactement, ben ça, c'est pas évident. Hein. Je pense que ça doit être quelque part par là. Le voilà. Voici mon vieux réveil. Et il marche encore. Bah alors, poule mouillée, ce n'est qu'un réveil. Bien, voyons voir. Selon ma montre, il est maintenant 3 heures. Bon, tu vois, la grande aiguille est sur le 12 et la petite sur le 3. Ça veut dire qu'il est exactement 3 heures de l'après-midi. À partir de maintenant, la grande aiguille va bouger tout autour du cadran du réveil pour revenir sur le 12. Pendant ce temps, la petite aiguille se déplacera un tout petit peu du 3 au 4. Il sera alors 4 heures et ça, ça fait 1 heure. Exactement. Oui, tiens, je vais régler le réveil à 4 heures. Comme ça, tu sauras quand 1 heure se sera écoulée exactement. Super. Merci, papy. Pas bien en fin de compte. Il est sûrement cassé. Ah, comme ça, c'est beaucoup mieux. Allez, essaye de faire un effort. Super. Il est presque 4 heures. Elsie va bientôt arriver. C'est l'heure de se préparer pour la partie de ping-pong. Oh, déjà? Oh là là! Hein? Mamie?
Vous êtes bien pressé. Il est presque 4 heures et je vais rater Top Granny, mon émission de télévision préférée. Il est presque 4 heures. Oh. Ce n'est pas comme ça qu'on joue au ping-pong. Oh, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire des clés de voiture? Oh là, où sont-elles? Les voilà. Oh, comme c'est gentil de te précipiter pour m'accueillir. Tu devrais le faire plus souvent. Je suis en retard, j'ai rendez-vous avec Tante Zelda à 4 heures. Hein? Elle va se fâcher, j'en suis sûre. Elle a horreur d'attendre. 4 heures? Oh! Mais j'ai promis à Nanou d'aller chercher des provisions chez Monsieur Zoé. Et il ferme à 4 heures. Bon, tu peux encore y arriver si je te dépose en allant voir Zelda. Ce serait super. Tu as bien tout? Je ne trouve pas mon porte-monnaie. Tu es sûre qu'il était dans ton sac? Oh, il est dans mon sac noir. Vite, je démarre la voiture pendant que tu cours le chercher. Dépêche-toi. Et n'oublie pas d'enlever ce truc sur ta tête. Oh, est-ce que ça va? Oui, je crois. Il va bientôt être 4 heures. On ferait mieux de se dépêcher. Oh. Ouh. Désolé. Ah, ne t'inquiète pas, un peu d'eau, la main verte de papy et tout sera arrangé en un rien de temps. Mais où galopais-tu donc comme ça? Maman est en retard pour son rendez-vous de 4 heures avec Tante Zelda et moi je devais... Oh, mais il n'est que 3h20, vous avez amplement le temps. Hein? Mais... Oh, pas besoin de te presser, il n'est que 3h20. Ah bon? Tu en es sûr? Oh, j'en suis sûr et certain, je mets ma montre à l'heure de la radio tous les matins. Hein? Bah, en effet. Mais enfin, pourquoi mamie a-t-elle dit qu'il était presque 4 heures? Bien, on est prêt. Allons vérifier l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Sans transition, la folle épopée d'un éléphant. Pourquoi n'y a-t-il pas Top Granny? Parce qu'il est trop tôt. Trop tôt? Mm-hmm. Mais pourtant, on réveille dans la cuisine. Oh! Hourra! L'heure est finie! Je crois que je sais ce qui s'est passé. Venez voir. Oh. Il est 4 heures! Elsie ne va pas tarder à arriver. Je ne pense pas. Je crois plutôt qu'un petit zèbre impatient a avancé les aiguilles de mon réveil. Et moi qui pensais que j'avais raté Top Granny. Et moi qui pensais que j'arriverais en retard chez Tante Zelda. Et moi qui pensais que le magasin de Monsieur Zoé était fermé. Pardon, je ne savais pas. On ne peut pas faire avancer le temps plus vite en bougeant les aiguilles du réveil. Alors l'heure n'est pas encore finie? J'ai bien peur que non. Il faut que tu sois encore un petit peu plus patient. Oh non! Rassure-toi, j'ai une idée. Ça y est. Qu'en penses-tu? C'est magnifique! Zou! Ah? Zou! Elsie, ne me dis pas qu'il est déjà 4 heures! Mais si! J'ai fini de peindre mon étagère et j'ai enlevé la peinture sur mon museau. Oh! T'as vu, papy, j'ai été patient! C'est parce que tu étais occupée à jardiner avec moi au lieu de regarder le réveil!
Viens voir, le jeu de mini ping-pong est prêt. Celle-là est pour toi. Verte, ma couleur porte-bonheur. C'est moi qui vais gagner. Non, pas question. Hein? Elles et 1, Zou, 0. Je n'étais pas prêt, ça ne compte pas. Un poc. Voyons si tu vas attraper celle-là. Zou joue à cache-cache. Zou! Hé, Elzé! Tu tombes bien! On allait commencer un jeu! Génial! À quoi on joue? Un jeu qui demande de la concentration, de la patience et de la ruse! C'est cache-cache! Youpi! Et vous savez comment on joue? Tu peux nous rappeler les règles? Elzé a peut-être oublié. Oh, ça m'arrive aussi d'oublier des choses. Eh bien, les règles sont très simples. L'un de nous trois va fermer les yeux et compter jusqu'à 20. Pendant ce temps-là, les autres joueurs vont se cacher. Et après, celui qui compte doit les chercher. Exactement. Alors, qui veut chercher en premier? Moi, moi! C'est moi qui vais compter! Ah, et pourquoi toi et pas Elzé? Parce que je sais très bien compter. Et en plus, j'adore chercher les choses. Et Elzé est très forte en cachette. Eh bien, c'est d'accord. Mais faisons deux manches, entendu? Et il y aura une très belle récompense pour le gagnant. D'accord, je vais compter. 1, 2, 3. Je vais me cacher derrière la barrière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça y est, j'arrive. Haha, je t'ai vu. Tu m'as trouvé. Oui, et maintenant il ne reste plus qu'à trouver papy. Oui. Mais où est-il? Dans le garage. Oh. J'ai oublié ça. Bah, papy, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, eh bien, je fais le tri dans mes affaires. Mes outils de bricolage sont tout mélangés. Et oh, eh bien, que font ces vieux draps noirs ici? Mais tu es censé être caché. Ah? Oh oui, j'avais oublié. Bon, je t'ai trouvé alors. C'était pas dur, avec tout ce bruit. J'ai gagné! Ouais! Je peux avoir ma récompense? Oh, minute, papillon! On a dit qu'on jouait en deux manches. Eh bien, maintenant, c'est à mon tour de compter. Allez vous cacher! Un, deux, trois, quatre... Où est-ce qu'on pourrait se cacher? T'as une idée? Oui, je sais! Dans ma maison! Mais dépêchons-nous! On ne peut pas se cacher là ensemble. On ne va jamais tenir tous les deux. Même si on se met à quatre pattes? On peut essayer. 15, 16, 17, Poc, c'est bon? 18, 19, 20. Les enfants! Je viens vous chercher. Vite, ça ne va pas marcher. Trouvons une autre cachette. Oh, je sais. Allons chez Nanou, derrière ces rideaux. Oui, allons-y. Oh, bonjour les enfants. Quelle joie de vous voir. C'est gentil de venir me rendre visite. Nanou, on n'a pas le temps de faire des bisous. Il faut vite qu'on se cache. J'arrive. Vite, ton grand-père arrive. Bon, dans ce cas, vous feriez mieux d'entrer. Super. Je ne ferai pas le moindre bruit pendant que vous vous cacherez. Il ne nous trouvera jamais ici. Où est Poc? Il ne joue pas avec vous? Oh, mais si, bien sûr que si. Excuse-moi, Poc. Attention, j'arrive. Ça va, Lapin? Vous n'êtes pas trop serré? Non, ça va. Mais chut, Nanou, papy arrive. Tu vas nous faire repérer. Il faut qu'on soit très silencieux, sinon il va nous trouver. Oh, dans ce cas, je ne dis plus un mot.
Oh, mais je manque à tous mes devoirs. J'aurais dû vous proposer une bonne tasse de chocolat chaud. Oh, vous avez soif, les enfants? Mais non, Nanou, on joue à cache-cache. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, est-ce que je suis bête? Vous êtes sûre? Je fais d'excellents chocolats chauds. Si elle continue de parler, papy va nous trouver en moins d'une seconde. Je suis presque là. Écoutez, je vais quand même vous préparer un bon chocolat chaud. Et je vais en faire aussi pour papy. Comme ça, quand il arrivera. Mon petit sabot me dit que la cachette des jeunes zèbres n'est pas loin d'ici. Coucou! Oh, ça ne compte pas, papy. Nanou t'a aidé. Moi? Tu veux bien qu'on recommence? Allez, d'accord. Un, deux, trois, cinq, six, sept, huit... Où est-ce qu'on peut se cacher? On pourrait aller chez moi. Oh oui! Papy ne pensera jamais à nous chercher là-bas. Désolée pour le fouillis. Ne t'inquiète pas, ce sera encore mieux pour trouver une cachette. Dites-moi, les enfants, vous ne seriez pas en train de jouer à cache-cache tous les deux par hasard? Oui, où peut-on se cacher? Voyons voir. Et pourquoi pas dans ta chambre? Restez bien tranquille et je ferai comme si je ne vous avais pas vu. Merci, maman. Oh? Oh. Ça, c'est ce que j'appelle une chambre bien rangée. Oui. Et si on se cachait là? Oui. Après toi, Poc. Je crois qu'ils m'ont laissé un indice. Entrez. Bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu deux petits zèbres dans les parages par hasard? Oh, dites donc. Mais c'est un magnifique portrait. C'est très ressemblant. Eh bien, c'est que j'ai un modèle qui est très patient. Oh, un miroir! Eh bien, c'est difficile de peindre un autoportrait sans cela. Mais c'est difficile de le tenir en l'air et de peindre en même temps. Je peux peut-être arranger ça. Oh, ce serait vraiment très gentil. Oh, depuis combien de temps on est là? Très longtemps. On abandonne? Non, papy a dit qu'il faut être patient si on veut gagner. Et moi, je veux gagner la récompense. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait ton papy? Il a peut-être encore oublié le jeu. Et si on ouvrait juste un peu la porte pour voir ce qu'il est en train de fabriquer? D'accord. Et voilà. Alors, voyons voir. Tadam! Plus besoin de tenir votre miroir. Oh, merci beaucoup. C'est parfait. Papy? Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu étais censé nous chercher. On jouait à cache-cache, tu te souviens? Oups, désolé les enfants. Une fois que je commence à bricoler, j'oublie tout le reste. Oui. Bon, le jeu est terminé. Est-ce que tout le monde est là? Oui! Voyons voir. Un, deux, trois. Et comme je ne vous ai pas trouvé moi-même, je crois que vous avez tous les trois gagné. Oui. Eh oui, excellente partie du cache-cache. Vous avez été très patient. Vous méritez une récompense qui est... Oui. La récompense est... un portrait des trois champions de cache-cache, bien sûr. Youpi! Je crois que j'ai une idée de costume pour nos jeunes champions du camouflage. Hmm.
Eh bien, voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! On ressemble vraiment à des champions de cache-cache. Même qu'on peut disparaître à n'importe quel moment. Mais alors, mais où sont-ils passés? Ah, je vois, c'est une nouvelle partie de cache-cache. On est là! Zou joue au criquet. Vas-y, Zou! But! Oh! Tu crois qu'on peut le réparer, papy? Oh, je pense que oui, Zou. Je m'y connais plutôt bien en réparation de vases cassés. Seulement, la prochaine fois, il faudra qu'on se souvienne que le salon n'est pas l'endroit idéal pour jouer au foot. La première chose qu'il nous faut, c'est de la colle. Si j'arrive à me rappeler où j'ai bien pu la mettre. Voyons voir. Non. Là, peut-être. Oh, mais vous. Bien sûr. La voilà. Merci, Puck. Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, ça alors. Ça fait un bout de temps que je l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est, papy? Ça? C'est une tapette à grosse mouche. Mais non, ce n'est pas ça. Ben non, bien sûr que non, Zou. C'est une batte de criquet. Tout va bien, Puck. Papy ne l'a pas fait exprès. Mais c'est quoi le criquet? C'est un sport. C'est même le plus beau sport du monde. Et les règles sont assez compliquées. En gros, hein? On le pratique comme ça. Le lanceur envoie la balle dans ta direction et tu dois la frapper. Hein? Ouais, il faut trouver une balle. Je peux m'entraîner avec ta balle, papy? Mais oui, bien sûr. Mais cette fois, il vaudrait peut-être mieux aller jouer dehors. Dans le jardin! Eh bien, à mon avis, il y aura peut-être plus de place à la plage. Hein? À la plage? Super! Oui, mais d'abord, on ferait bien de réparer ce vase. Hé! Devinez quoi? Papy a dit que... Oh! Bonjour, Zinia. Bonjour. Zinia est venue jouer avec toi. Ah, super. Oui, Xavier et moi devons organiser un événement très important pour faire de la publicité à notre magasin. Nous avons pensé que Zinia aimerait bien venir jouer avec toi. Au revoir, ma chérie. Au revoir, Zelda. Au revoir. Au revoir, Zou. Alors, qu'avez-vous envie de faire? Zou, qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Le vase qu'on a réparé avec papy. Ah, mais je ne savais pas qu'il avait été cassé. C'est-à-dire que... il a eu un accident. Mais on va aller à la plage parce que là-bas, on peut pas casser de vase. À la plage? Oh, chouette, chouette. On va jouer aux pirates. Et je pourrais être la courageuse reine pirate qui vogue sur les flots à la recherche d'un trésor. On va jouer au criquet. Oh, c'est quoi le criquet? Eh bien, on se sert d'une batte et d'une balle. Est-ce que les pirates jouent au criquet? Ah oui. Ils adorent ça. Alors, comment on y joue? Alors, le batteur se tient ici, juste devant ses piquets. Et le lanceur, ici. Oui, donc le lanceur envoie la balle et le batteur doit la frapper. Et après, tous les autres joueurs peuvent jouer aux pirates.
chouette. Eh bien, peut-être plus tard, car avant cela, les autres joueurs essaient de rattraper la balle une fois qu'elle a été frappée. Et si l'un d'entre eux la rattrape, le batteur est éliminé. Un nouveau joueur prend sa place. Mais s'il a tapé la balle bien fort, il se met à courir. Où ça? Jusqu'à ce piquet là-bas. Lorsqu'il court d'un bout à l'autre du terrain, ça s'appelle un run, c'est-à-dire une course. L'équipe qui réussit le plus de runs gagne le match. Alors, qui veut commencer? Moi, je veux jouer aux pirates. J'ai une idée, on pourrait jouer aux pirates et au cricket. Nous, les pirates, on jouerait contre les adultes. Ouais. Youpi. Je l'ai. Elle est sortie. Alors. Bien joué, Puck. Puck, les pirates. Ça m'a tout l'air d'être un trésor, en effet. Mais comment est-il arrivé ici? Peut-être. Peut-être qu'il a été abandonné par des vrais pirates. Et s'il décide de revenir le chercher? Rassure-toi, Zach. Je suis là, moi. Avec Papy, on vous protégera de ces pirates. Pas vrai, Papy? Bien sûr qu'on les protégera, Zou. En attendant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? On ne peut pas le laisser ici. Peut-être qu'on devrait l'apporter au musée de la ville. Eux, ils sauraient quoi en faire. Non! Oh non! Ce sont les pirates! Non, je ne pense pas, Zinia. Toi, tu restes avec Mamie Puck. Vous surveillez le trésor. Je crois que ce sont ton papa et ta maman, Zinia. Mais puisque je te dis que je l'ai posé ici... Alors où est-il passé? Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Zinia? Je croyais que... Qu'est-ce que vous faites là? On joue aux pirates et aux sauterelles. Au criquet. Vous n'auriez pas vu un grand coffre dans le coin par hasard? Si. Il est plein d'assiettes, de gobelets et de couverts. C'est bien ça. On avait prévu d'organiser un barbecue spécial pour certains de nos clients les plus importants. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire de la publicité à notre boutique. Il est là-bas, sur la plage. Et on n'a rien pour servir à manger. Oh. Attendez, vous l'avez trouvé? Oui, oui. Eh oui. Oh, c'est merveilleux. Où est-il? Sur le terrain de cricket. Allez, suivez-moi. C'est moi qui l'ai trouvé. Eh bien, c'est une chance que ce soit l'un d'entre vous qui l'ait découvert, si quelqu'un d'autre que toi était tombé dessus. Surtout qu'il est rempli d'or et d'argent. Oh,
Oh, cette vaisselle n'est pas vraiment en or et en argent. C'est bien fait, mais en réalité, c'est du vulgaire plastique. Oh, mais tu n'as pas fini de faire l'âne, Xavier. Bon, la fête que nous avons prévue devait commencer un peu plus tard. Mais puisque nous avons déjà des invités et tout ce qu'il faut pour leur servir à manger, on pourrait peut-être commencer tout de suite. Ouais, Xavier, sois gentil, va chercher la nourriture. Viens, je vais te donner un petit coup de main. Nous, pendant ce temps-là, on n'a qu'à rejouer au cricket. Oui. Le concours de Château de Sable. Quelle belle journée! On ne pouvait pas rêver mieux pour notre concours. J'ai hâte de voir tous ces beaux châteaux de sable et de les départager. Tu feras une très bonne juge, mamie. Tu vas me laisser gagner? Dis donc, Zou. J'ai dit ça pour rire. À l'époque, on va chercher ma pelle et mon seau. Et voilà, Zou. Merci, papy. Oh, et on aura aussi besoin de ça. En route. Merci, mon chéri. Je vais faire un gros château de sable avec plein de tourelles. Moi, je vais faire un château de contes de fées. Bonne idée, moi aussi. Oh, et ben moi, je vais décorer le mien avec de jolis coquillages. Ah oui, moi aussi. Oh, ben, j'ai quelque chose d'autre à mettre dessus. Oh, notre petite Zinnia est si créative. Certains des châteaux de sable qu'elle a construits sont tout simplement merveilleux. Je n'en doute pas. Mais je suis certaine que tous les châteaux seront superbes. Moi, je vais faire le plus beau château de sable de toute ma vie. Les enfants, le concours de château de sable va bientôt commencer. Règle numéro 1, amusez-vous. Souvenez-vous que vous pouvez décorer vos châteaux de sable avec tout ce que vous désirez. Vous avez jusqu'à midi, puis ce sera l'heure du pique-nique. Oui! Et les adultes n'ont pas le droit de vous aider. Vous êtes prêts? Non, j'ai dû laisser tomber ma pelle. Comment je vais faire mon château maintenant? Avec un coquillage, Zou. Tu n'as qu'à en trouver un gros. Super idée, papy. Hein? Ah. Non, trop petit. Trop petit. Merci, Pog. Non, trop petit. Regarde toutes ces petites bêtes. Ah, tu as vu? C'est très intéressant. On reviendra plus tard. J'ai un concours de château de sable à gagner. Je vous rappelle que les adultes n'ont pas le droit d'aider les enfants. C'est très bien, Elsie. Super! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est parce que ton sable est trop mouillé, Zou. Rajoute un peu de sable sec. Oui, comme ça, Zou. Bravo! Je ne l'aide pas vraiment. Je sais que c'est contraire au règlement. Ma petite Zinnia est une véritable artiste. Même avec le sable, je suis sûre qu'elle va gagner le concours. Certainement, Zelda. Mais gagner, ça ne fait pas tout. L'important, c'est que les enfants s'amusent. Oh, ben moi, ça me fait plaisir de passer une journée à la mer.
C'est si bon de pique-niquer. Et maintenant, ma surprise. Des fées pour mon château de contes de fées. Oh! Excusez-moi, madame la juge, c'est permis de mettre des jouets sur un château de sable? Oh, mais oui, comme je l'ai dit au début, on peut décorer les châteaux comme on veut. Ne t'inquiète pas, Zinia, je vais aller au magasin te chercher de jolies lumières. On n'a pas le temps, papa. Le concours se termine à midi. Alors je vais t'aider, ma petite puce. Xavier, non. Bon, eh bien, les adultes ont le droit d'aider les enfants maintenant. Oh, chouette! Allez, Zou, on va construire le plus beau château de sable. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Elsie? Des coquillages pour décorer les murs, ce serait super. D'accord. Merci, maman. On peut mettre les touffes du château Zoé ici, Zach. Oh, bonne idée, papa. Et nous, on peut mettre nos touffes là, Zinia. Il faudrait quelque chose pour décorer. Et servons-nous du coquillage, Zou. Ça fera un très joli motif. Ah oui, c'est bien ça, papy. On va en mettre partout. Oh, tu pourrais faire pareil, Zach, pendant que je travaille sur les douves. D'accord, papa. Ça alors, ça suffit. N'oubliez pas que nous sommes là pour nous amuser et que seuls les enfants auront un prix. D'ailleurs, ils vont finir tout seuls. Mais les douves, je ne les ai pas encore finies. Maintenant, elles le sont. Désolé, je n'ai plus le droit de t'aider, Zou. Ce n'est pas grave, papy. Je peux y arriver tout seul. Parfait! C'est bien ma fille, ça. Elle a de la ressource. Tu sais, papy, il me faudrait un petit détail en plus pour mon château, comme Elsie et Zinia. Et Zou, tu n'as pas apporté de jouets. J'ai bien aimé la petite mare avec les bêtes dedans. Je peux en faire une dans mon château de sable. Ah ça, alors c'est une très bonne idée. Oui, mais il faut que je trouve quelque chose pour empêcher l'eau de sortir. Merci, maman. Tout est prêt, papy. On peut retourner à la petite mare maintenant. Je vais prendre cette étoile de mer. Hein? Et ce coquillage. C'est une moule, Zou. Et ça, une palourde. Et ça, c'est un petit poisson. Ça, je le savais, papy. Je vais prendre ces galets et les mettre dans la mare de mon château. Zinia, tout simplement merveilleux. Et maintenant, une photo souvenir du château gagnant. Oh, papa! Regarde ce que t'as fait! Désolée, ma chérie. Je te promets que je vais me rattraper. Tu pourras avoir tout ce que tu voudras. C'est pas grave, papa. Je sais que tu l'as pas fait exprès. Mais maintenant, je suis éliminée du concours. J'aurai pas le temps de construire un autre château de sable. Zinia, si tu veux, tu peux toujours m'aider à finir le mien. Ah, merci, Zou. Avec plaisir. Ça, c'est très gentil, Zou. Très joli, Zach. Bravo. Merci. Ces fées sont vraiment magnifiques, Elsie. Merci. Zou,
Zinia et Zou, votre petite mare est ravissante. Merci. Les douves ne sont pas mal non plus. Oui. Tout le monde s'arrête maintenant. Je vais annoncer le nom du gagnant. Merci à tous. Bien sûr, tout le monde a gagné, mais le prix revient à Elsé. Oui. Merci. Bravo, Elsé. On fera mieux l'an prochain. Bravo, Elsé. Ton château de contes de fées est vraiment magnifique. Merci, Zinia. Oh, Xavier. Regarde ce que tu as fait. Papa. Tout ça, c'est la faute du crabe. Regardez. Reviens. Reviens, si je peux pas.